Quoi? Oui, bonjour. C'est de la Ça charme commence froide, déjà bien. Les présentateurs de conférence! Du coup, messieurs, nous avons fini la première mission de préparation avec véhicule payé par mes frais, n'est-ce pas? Nique le contribuable. Oh, Ah, ta du mère, fric. le riche Bref, capitaliste là. Nous allons commencer donc la deuxième mission qui est les signaux interceptés, donc deuxième mission de préparation. Donc pendant le Hakaimat c'est mort là, il était pas trop présence. Bah nous on est allé chercher les matériels pour faire les deux autres missions de Les préparation. matériaux, connard! Les matériels. On est allé J'ai dit chercher. pré. Eh, c'est un truc. Si je dis présence, tu crois vraiment que je vais dire les matériaux? On est allé chercher parce que t'avais la flemme de les Parle payer, alors parle pas. français ici, bordel. Bref. Parle France. Donc du coup, on commence du coup la deuxième mission de préparation et c'est parti. Let's go. Ce connard, il a troqué le bœuf bourguignon pour des kebabs, ça va tout de suite à son niveau de. Les mecs, vous avez vu, mec, on est glissé dans le sol, on est debout, mais dans le siège. Je sais pas si vous avez vu en arrière-fond là. Oui, t'inquiète. Alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous est pas trop rassuré quand il voit la miniature de Oh, je suis Non, pas j'ai du vu tout. pire, j'ai vu pire. Non, mais attendez. Alors, déjà, coucou, retour vers le futur hein, pour la DeLorean, Ouais. n'est-ce pas? Non mais non mais Bref. je sais pas pour vous mais moi je conduis. Bam. Donc, Oh, je l'objectif, conduis. utilisez les voitures, approchez-vous des véhicules cibles et piratez-les pour récupérer les données. Ok, ça marche. Bon, vous êtes prêts les gars? C'est parti! Non mais comment ils vont réagir les pilotes de l'avion en voyant une putain de voiture voler à côté d'eux? Non mais moi de vie de ma mère je suis pilote et je vois ça je suis en mode mais tu te craches. Oh! Mais ah, t'as les tenues. Vas-y moi je fais là non le novice voilà. Attends. Et en véhicule que ça Là, elle passe. vous prenez quoi vous en véhicule Putain. que ça? Oh là t'es bon. La tenue l'amateur on dirait trop un caporal de l'armée américaine. Ouais. Ah voilà, bah attends, chacun prend une tenue différente en plus. Mais C'est oh, bon. mais Victor, tu fais C'est bon, chier! c'est bon, je prends celle-là, je prends celle-là. Mais Et... Voilà. Ouais, mais voilà, Bref, voilà. 3, 2, 1, lancez. T'es prêt? Fais chier, ce Ringamoul, t'es pas prêt. Voilà, c'est bon, t'es prêt. T'es prêt. Ouais. Comme au Lox. Allez, c'est T'as regardé, je me craque les gars, je me craque, t'as vu, je me suis craqué moi, parce que putain, ça va chier. Ça va chier. On va en chier. Et moi, j'ai fait un petit mouvement d'épaule en mode. Allez, je Eh, moulinex. eh, tu sais, vous savez quoi? Dès qu'on a fini celui-là, je sais Oh. pas vous, alors en off ou peut-être en vidéo, ce que vous voulez, tout, mais j'aimerais bien refaire tous les braquages, mais dans bah, d'un coup, quoi. Nique ta mère. Ouais, pourquoi pas. Sans le défi des 10 millions, juste vraiment pour le kiff, mais Bon, bon, allez, c'est parti! En fait, elles sont garées où les déductions en fait? Mec, les autres braquages, on les connaît quasiment par cœur. Celui-là, on le connaît pas, c'est la découverte. Donc, Je sais, mais c'est. Ça donne envie d'y retourner. Ouais, alors qu'avant, il était c'était le premier à être en retour. Premier, voilà, non mais le retournement non, de veste, pour quoi. faire les braquages, y'a Le pas de soucis. retournement de veste. Non, vous avez pas compris. Pour faire les braquages, y'a pas de soucis. C'est pour faire le défi à 10 millions que j'ai pas envie. Par contre, pour faire les braquages, y'a pas de soucis. C'est pour faire le défi à 10 millions, faire quoi? Vous faire des braquages. Donc, indirectement, tu n'aimes pas les Bah, tu braquages. sais quoi, tu vas être content parce que si on termine les 5 braquages, on a 2,5 millions de dollars qui nous attendent chacun. Alors voilà. Oh, le mec, tu retournes sa veste. N'importe quoi, bordel. Oh, les braquages, c'est 15, c'est 10 millions. Écoute, après, c'est une petite envie, vous voyez, monsieur. Moi, le GPS, il m'a dit qu'autre part, mais bon, c'est pas grave. Ah bah moi non plus. Pas une raison pour couper la route. Merci. Bon bah tant pis je vous suis, rien à foutre. Et en plus, non mais, Ryaman les casques, non. Non mais si on doit suivre Ah mais Def, Ryaman, viens ici, viens ici, j'ai. Ouais. Oui. Viens ici. Tu veux Ryaman mais... En même temps, moi j'ai pris mais directement la super sportive la plus rapide de mon garage, donc voilà. Non mais je dis pas ça, mais c'est juste que ton sens de l'orientation est à chier. Mais nique ta race. Attends, la plus rapide de ton garage, c'est pas plutôt la Pfister là? Bah. Non, je sais pas, non? Bah. Ouais. Dans tous les cas, ça te fiste le portefeuille donc. Ouais, c'est ça! Abandonné, ouais. Putain! La Kuruma, l'une des meilleures bagnoles qui s'est créée dans le jeu. Bon, après, je te rappelle juste que j'utilise pas le GPS, hein, j'ai juste pour prévenir. Ah, mais moi non plus! Bah, après, régulièrement, ouais, tu moi, sais je te suis. Que Kuruma c'est voiture en GPS. japonais donc. Attends, maintenant, juste voir, alors ouais. précisément, elles sont où ces salopes? Bonjour! D'accord. Par là. Toi, oh, le mec. Oui. Oh le faible, il se sent obligé d'avoir de mettre d'activer son GPS quoi. Je l'ai pas activé.
Oh le lol. Mais je l'ai pas activé. À 50 mètres, tournez à droite. Non mais... Taisez-vous, bordel. Non mais s'il y a une scène de ménage qui fait genre, tu sais, t'as le mec, mais non chérie, t'inquiète pas, je sais où on va. Alors déjà, chérie, tu vas te calmer, hein. C'est-à-dire que moi, je suis un homme qui aime les autres femmes. Pas un homme qui aime les autres hommes. Déjà, de un, là, hein. Il y avait un caillou. Il y avait un caillou. Eh bien, maintenant, je peux enregistrer cette phrase dans mes citations favorites. Rainerman, il y avait un caillou. Non, mais mec, t'as envie de juste voir. Moi, je prends l'entrée sur l'autoroute et je regarde juste sur le bas côté la Kuruma qui vole en l'air sur un caillou. Et moi, je suis en mode, ça va? Et moi, je passe en mode, bonjour. Marchand de caillou. Non, mais par contre, tu sors cette blague, t'es au flic, vous êtes responsable d'un accident, monsieur. Vous avez quelque chose à plaider? Il y avait un caillou. Ah oui, c'est ça. Ah bah, s'il y avait un caillou, ouais, ça va, je vous pardonne. Je vous paye bien, monsieur. Je vais couper, je vais rejoindre. Par contre, là, je coupe, hein. Non, j'ai juste prévu. Vous coupez quoi, monsieur? Il a coupé la route. Ah! Comment tu veux couper la route? Avec un couteau. Ah! Ça doit être vachement long quand même. Au couteau de cuisine, au couteau de salle à manger, au couteau à beurre. Au couteau Noken, bien sûr. Au tout cas. Alors toi! Des années 80 qui a été censuré. Ah bon. Non, au tout cas Noken, ça c'est. Ok, alors elles sont où les voitures de ces morts? Alors pour info, moi je sais pas du tout comment activer le mode vol de ces voitures. J'ai jamais touché ces voitures. Bon, on va voir ça alors. Qu'est-ce que ça donne? Rinou, rentrez dans les voitures et attendez mon bonsoir signal. Bonsoir. Okay. Non mais rentrez pas par contre dans les voitures, hein. Aïe. On monte dans les voitures. Non mais rentrez dans la voiture avec les autres voitures, pendant pas avec le corps. Oups. Ah, elles sont là les deux autres. Voilà. Oh vas-y, je prends la rouge, rien à foutre. La rouge, ouais, vas-y, prends la rouge. Oh, moi c'est Akai, c'est rouge, japonais, c'est gros, mais... Oh. Attendez que c'est que... Ok. Je t'envoie la position, comment on active le mode pouet commandeur là sur ce... Ah déjà, ça a des mitrailleuses et des missiles, donc c'est bien, ça. Danger d'armes, tirer avec l'arme sélectionnée, quoi. Ouais. Mais oh, mais merde. Pardon. Arrêtez. Les gars, moi je prends le point B. Ah, y'a des missiles. Okay. Ah oui. Il y a des points. Prends l'équipe. Je prends verdé, alors. Moi je prends quel point? Bah celui qui est libre. Bah moi, vous avez pris lequel? Bah je sais pas moi. Moi j'ai pris le point B. Ok. B. Je prends le A du coup. Ah tu prends le A oui. Ok, je prends le A. Ah. A B C D E F G A B C. A B C mon cul. Et on a du temps aussi. Faut pirater en plus, pas te détruire pour l'instant. Ah, faut pirater, oh là là. Ah, faut piratifier. Ah oui, bah oui, c'est comme avec... Nico, non, mais t'inquiète pas, c'est bon, t'as un algorithme préfet, t'as juste à appuyer sur entrée et ça marche. Ah putain, il nous tire dessus. Il tire dessus par contre, hein. Ah oui, alors... effectivement. En fait, c'est comme la mission de la roquette voltique. Je sais même plus à quoi elle ressemble cette mission, mais c'est... Ah la pute. Ah bah d'ailleurs, mais en parlant de mission de véhicule spéciaux... Ok, après faut tuer, et après faut les exploser. Dev, tu te souviens quand on a fait la mission du Phantom Wedge avec le jarteur à l'avant? Ouais. Quand tu t'es bouffé la barre sur la gueule, tu étais sur l'arrière et tout, tu te souviens? Ah oui. Petit bleu C, les lumières, bon. Je te dirige vers Akaima pour lui donner un petit coup de main. Il a besoin. Oh. Arrête de parler, Lester, et laisse-moi défoncer ce salaud. Lester! Laisse laisse-moi te laisser la gueule, fils de pute! Laisse passer! Laisse passer! Oh, bien joué! Ah, il se déplace le salaud plus, il se déplace. Ouais, faut que tu restes en proximité, je suis derrière toi si jamais. Ah oui, je préviens, il y aura pas de favoritisme hein, sur les parts, hein. C'est 25% pour chacun. Hein. Bien sûr, bah les couilles. Mais en fait, j'ai l'impression que la miniature, c'est une miniature un peu putaclic là, parce que là, je vois pas tellement trop la voiture volante. Non, mais je pense à mon avis que. C'est le début. Oui. Non, ça non, sera parce un peu que... trop simple. Non mais parce que bon, si on est pris sur un flagrant délit de putaclicrie, moi je porte plainte. Défonce-les, lance les missiles. Ah, et ça tient les missiles ces trucs là? Bah oui, là, tu choisis les missiles et tu tires. Par contre, ok, j'envoie Clifford, ouais. Ouais, t'as... Et les gars, s'il y a Clifford... Changement d'arme. Et les gars, s'il y a Clifford, ça veut dire qu'il y a aussi Climustang okay, qui redoute. Merde. Moi je vais sur D.
Moi, je suis sur C. B. Prends A. A. Ouais, par contre, on a-t-il comme moi le truc qui vole là? Et t'auras peut-être un tutoriel. Ouais, je crois pas. Les cibles sont sur la flotte, Starfoula. Ou alors, dès qu'on va aller dans l'eau, il y aura un mode qui va s'activer, genre instant, tu vois. Mais cette voiture, c'est la voiture de James Bond 2017, c'est pas possible. Non, même la Renault 2000 ne fait pas. C'est là, c'est la voiture de Marty. Marty. On a encore une qu'elle continue, mais c'est pas ce temps. Marty. Là, on peut le faire, tu sais. Des agents de chasse, des tanks. Ah oui. Comment est-ce qu'il s'appelait d'ailleurs le mec là Ah oui, professeur Fidget, ich bin kein professeur Fidget, et je ne suis pas blanc. Hein? Mais vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Pourquoi est-ce que vous avez pris moi alors qu'il y a tellement d'autres personnes dans la rue? On avait pas assez de budget pour The Rock. Ah ouais, c'est sur l'eau. Ah oui, c'est un bateau. Passer en mode débit. Oh. Oh, je vole. Oh, je... Quoi? Mais. Ah d'accord. Oh, ah, d'accord. Tu t'envoles. Appuie sur X pour passer en mode vol. Vous allez être surpris. Oh. C'est génial. Ah oui. Oh putain. Oh, c'est trop cool. Ah oui. Holy Dance. Oh, Holy Dance, je suis en mode viol. Ah. Holy Dance. Oh non. Bah, je vais sur B du coup. Oh. Mais je vole! Aussi, je vole! I believe I can fly! C'est n'importe quoi! Merde! Oui. Putain! Quoi? Système de merde! Mais... Système de. Il s'est même pas activé, putain, j'ai eu aucune notif! D'accord, ta race! Évidemment, il faut toujours qu'il y ait un mec qui soit con dans les équipes. Ben nous, on a trouvé notre boulet. Va te faire foutre. Notification de merde. Attends, voiture alors... à la con. Carrosserie de merde. Par contre, je veux pas dire. Et en plus, je crois qu'on a gagné 2600$ pour tous les trucs qu'on a fait. Et je crois que le seul qui a pas gagné d'argent pour aller. Oui, parce que c'est lui qui a fait foirer la mission. Putain. Mais c'est surtout peut-être parce que c'est moi qui prépare le braquage aussi. Oh bah putain, c'est celui qui prépare le braquage, c'est le plus con de l'équipe. Oh bah putain. Oh bah merde, pas dans la merde. Putain. Non mais sans déconner quoi. Moi c'était bien marqué, appuyer sur A pour le passer en lévitation. Mais moi j'avais rien. Eh, j'ai la seule voiture défense de vous. Parce que je suis. Eh, parce que t'es victime. Mais les gars, KO, juste, vous savez que vous pouvez aussi l'activer déjà là maintenant. Regardez. Ah mais je connaissais pas. Oui, le oui, bouton, oui, c'est vrai. Mais c'est moins maniable par contre, j'ai l'impression. Ouais, beaucoup moins maniable. Ah, c'est moins maniable, mais c'est trop marrant. Ah. Ouais. Ah ouais, mais là, mec, t'es un vrai flipper, mec. Oui, c'est ça, c'est horriblement pas maniable. Quand non, pas flipper, t'es ah, comment, c'est nouveau quoi les jeux à la con qu'il y a sur, tu sais, avec la palette, avec l'air contrôlé. Ah oui, c'est le. Ok là, ok sur table, je sais pas quoi là. Non, c'est le pinball là, non, là c'est le machin. Non, ok sur table, je crois que ça s'appelle. Ah oui, voilà, c'est le. Kevin, tu vas sur D, on est d'accord. Oui, comme d'habitude, sur okay, moi je suis sur A. Et maintenant, Michel, pour éviter tout problème, tu courses en mode lévitation du début jusqu'à la fin, t'as pas de problème. Oh, mais maintenant j'ai compris comment ça marche cette merde. Par contre, zapper un peu entre lévitation et normal, ça fait bizarre quand tu zappes un peu l'un après l'autre. Oui, mais moi, surtout, ma question c'est comment ça marche en fait, leur bordel. T'appuies sur le bouton et ça vole c'est... tout seul. Ne me sors pas l'excuse du ta gueule, c'est. Non. voilà. Ta gueule, c'est magique. Alors forcément, il y a forcément une explication dite scientifique. Mais non, mais non. Alors le truc le plus probable, ce serait plus des trucs des éons. Joe, tu vas où là? Magnétique, tout ce bordel. Moi, je suis sur point A, moi. Bon, moi, cela, je réponds. Voilà, j'ai pas de. Mais d'ailleurs, si vous vous mettez pas d'accord sur quelle cible vous allez, ça va, ça va. Moi, je suis sur le point A comme avant. Moi je vais sur le point D. Y'a qui ouais, ça doit marcher, le truc magnétique. Moi je vais sur C. C'est forcément un truc magnétique qui doit forcément marcher et fonctionner comme ça parce que. Ou alors c'est des putains de réacteurs qui pollue sa mère, tu sais. En mode lit pour faire le coin avec cette bagnole, ça va être sympa, je crois. En même temps, j'ai envie de te dire, ta gueule c'est magique, voilà. C'est très bien. Ah, oui, c'est vrai. Ils sont sur l'eau, j'avais tapé. C'est pas grave. YOLO! Ouais. Putain, par contre, pour voyager sur la map, ça va être sympa avec ça. NON! Ah non, c'est bon. Tu l'as pas activé? Mais c'est bon. En fait, j'ai réussi à l'activer, à le désactiver quand j'étais sur la flotte. Par contre, la maniabilité en lévitation, c'est violent quoi. Quand tu zappes, wouh!
Ok, j'y suis. Quoi? Ouais, ouais. Pardon. Bravo. C'est pas moi. Innocent. Quoi? What? Tu meurs comment, toi? Qui a détruit une cible? Non, c'est une cible qui a été détruite. Quoi? Je rappelle, faut d'abord les pirater, puis les détruire. Joe, qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai buté le mec. Fallait pas, faut mais d'abord qu'il est... Mais ensuite, l'a buté. Mais vous êtes complètement trisomique sur les bords, vous, putain. Bon, je sais pas, moi, mais non, il me tire dessus, mais arrête d'être... Mais après, à lire. C'est la première mission, faut pas qu'on la foire, bordel. Mais ta gueule, mais moi, mec, on me tire dessus, je me défends, toi, quand je me laisse abandonner. Ouais. Eh, vas-y, tire-moi dessus. Il faut que tu pirates d'abord le truc, et tu pirates d'abord le truc. Et encore plus te mec l'autre qui sait pas activer les rouleaux mobiles. Allez, hop. Ah bon, tu crois ça? Écoute, je mes prods, rien à foutre, voilà. Je les bute, voilà, il me casse les couilles, je les bute. Voilà, c'est... Voilà, non, c'est ouais, quand même... Mais sérieusement, j'ai envie de faire une putain, là, il casse pas les couilles. Sachant qu'après, on aura encore cherché un truc dans le ciel, je dis ça, je dis rien. Hein. Des eaux, un orage de mon révélationnage. Non mais il dépasse par la droite, ce fou! Non, je plaisante. C'est pas comme... Ah non, il passe par la gauche en règle générale. Non, mais juste pour vous rappeler que là on est quand même uniquement à la première j'ai mission. J'ai le premier, hein. J'ai eu un doute. Ah bah bon, je te laisse ici. Et hop. Oh. Et par contre, la maniabilité en lévitation, putain, les PNJ, tu leur laisses aucune chance, hein. Putain. Ah mais c'est en, en lévitation, et bah non, t'as pas la... Bah non, c'est logique que t'as pas d'adhérence en fait. T'as pas d'adhérence. Bah oui, y'a rien! Oh non, bah non, parce que t'es en lévitation! Bah oui, bah t'as pas la. Bah oui, c'est normal, mec! Imagine alors, tu fais ça, mais alors t'as une tempête à 140 km/h, tu sais? Mec, tu te fais souffler sur le côté! T'es en mode. Et encore, tu notes que quand t'es en lévitation, tu voles pas, tu planes. Non, c'est pas plane. Bah oui, c'est ce que ça s'appelle une lévitation dans le jargon, oui, c'est normal. Ouais. Déjà définis les termes techniques avant de l'ouvrir. Je crois que c'est un truc de phase, je sais plus quoi. Oh, c'est pas grave. Non, une phase c'est une partie d'un tout. C'est vrai, je sais. Tu fais A ou je fais B? Je fais pas A. Français. Je fais A, j'ai juste pris un raccourci dans la flotte. Oui. Et n'oubliez pas, on pirate puis on déglingue. Pas l'inverse, Jonathan Chandelier. Oui, bon, hein, ta gueule. Je savais pas. Mais pourquoi tu fermes pas ta gueule? Pourquoi toi tu la fermes pas, connard? Parce que tu parles. Ah putain. Bonjour monsieur, oui, j'ai une voiture qui flotte sur l'eau, oui c'est tout à fait. Mais me tire pas dessus. Putain, la voiture est à 10 millions de dollars et tu tires dessus. Santos, je crois qu'ils ont l'habitude. Ok, moi j'ai piraté la cible, c'est bon, elle est défoncée. Dans le cours. C'est bon. Après Joe, si tu veux un conseil pour s'en tirer dessus, essaye de rester genre devant le bateau. Et pas rester derrière, tu vois. Ouais, tu subis moins les chocs. Non, parce que ils sont teubés, ils savent pas viser. Allez, voilà, détruit. C'est bon pour moi. Tu veux un coup de main, Devon, ou c'est bon, c'est réglé? Ah non, moi ça va tranquille, regarde. D'un côté, c'est pour ça, donc. Du coup, en fait, on fait quand même pas activer le mode vol, en fait. Ça sera pour après. S'il vous plaît, ne faites pas les cons et ne mettez pas votre véhicule à la flotte pour rien. T'inquiète. N'appuie pas sur A quand t'es sur l'eau. À l'aéroport de Spongebob. Moi j'y vais en mode lévitation si je peux, hein, parce que là c'est bien. Bah non, tu seras obligé de trouver une route. Ah merde. Allez à l'aéroport international de Los Santos. Ok. C'est parti. Pourquoi j'ai l'impression que c'est plus rapide sur l'eau que en voiture? Parce que déjà de 1, t'as pas parce que t'as pas la friction et du coup t'as pas le ralentissement de la friction. Et t'as aucune... Apprenez votre physique, monsieur. C'était apprends la physique avec Akaima le pédoncule. Dit-il, Akaima est putain de déscolarisé, s'il te plaît. Je t'emmerde, moi je gagne ma vie, hein, connard. Ouais, mais bon, est-ce que vendre son corps. Pas comme certains qui se cotent toute leur journée sur le cul. Est-ce que vendre son corps pour de l'argent, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça la vraie définition de gagner sa vie? Je ne pense pas. Bah oui, bah si. C'est encore une meilleure chose de le faire gagner. Ah, il en sait quelque chose, hein. Nico, toi, ouais, il en sait beaucoup. Non, pas Nico, pas toi, Kaima. Mais. Ah, d'ailleurs, si vous avez des soucis pour monter les escaliers, mettez le mode lévitation, vous lévitez sur les escaliers, ça vous évite de vous faire chier. Ah, c'est cool. Ok, moi je suis attends. Les gars, je vous attends. Ouais. Ouais, je crois que je serai le deuxième arrivé, je crois.
Alors ça, c'est un scandale. Il y a peut-être des incendies dans la zone, mais les pompiers ils sont sur leur smartphone. Non mais. Ah mais. Los Santos. La décadence du 21e siècle. Non mais attendez que les mecs sont vraiment sur leur phone. Bon. Attends, je viens voir ça. Non mais. Regarde Victor, regarde-moi ça. Moi, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Non mais. Eh, hey, faut travailler là, oh. J'avais fait. Non mais Joe. En fait. Quoi? Ils sont relevés, ils sont vivants. Non mais arrêtez de les tuer, on va encore se. Les gars, si on foire la mission à cause de ça, je vous biffe. ta gueule, tu étais la première cause que le du fait qu'on ait foiré. Ouais, mais moi, j'en savais rien. Ouais. Et regardez oui. Les gars. Oui, oui. Ah, pardon. Oui. Non, mais ça a conduit. On est attends, d'accord. Je vais juste voir un truc. Mais regarde. Regarde ça. Ouais. Oh. Ok. Bref. Du coup, bon, vous venez là. Je suis là. Alors. Ah, c'est génial ces véhicules, putain. Un avion. Ah, un seul, ça va. Non mais... Vite. Here we go. Y'a un avion. Y'a un avion. Vite. Oh putain, il est salement gros là. Tu vois. Oh purée, mais on va jamais arriver à le tuer. Allez Michel. Je dis pas. Tous ensemble. Sans déconner, merci Michel. Sans deck. Restez à portée. Vite. J'ai raté le deck. C'est trop lent. Mets-toi en invitation, tu vois. Tirez sur le manche, les gars. Et on fait comment? Contrôle gauche! Oh! Oui! Mais... Ah, mais! Hasta luego, amigo! Les gars, regardez où je suis! Ouais, moi, regarde-moi! Ça va, poto? Oh là! Oh mon dieu! C'est bon, je l'ai aussi, les gars! Ah, c'est ou quoi? Non, c'est bon! Ah, mais tire sur le manche, Michel! Oh, c'est génial! Oh, purée! Ça va, Devon, t'es au-dessus de l'avion là? Oh, Devon, on est bien là, frère! Ah! Non, mais Nico! Ouais! Die! Oh putain! Où l'idée? Regardez derrière! Ah! Les gars, il y en a deux qui piratent et deux qui s'occupent des hélicos. Allez-y, moi je vais essayer de m'occuper des hélicos. J'ai bien dit, je vais essayer. Aïe. Et on fait viol au Woolly Dance. Ah. Aïe. J'en ai un. Je suis dessus. On est dessus. Ah, mais faut plusieurs baisser pour les buter. J'ai encore chaud. C'est bon, je l'ai eu. C'est bon, on les a buté. Aïe, on les a buté. Par contre, c'est bizarre, merde comme ça. Vous savez qui c'est qu'on pirate? Je crois qu'on pirate tous. Oula, attention, il dévient. Regarde, c'est pas que de l'appareil. Sur le truc là, t'as l'info russe. Ah ouais? Non, c'est le russe. Bon bah, moi je vais. Bye! Oh, c'est à manier, les gars, c'est comment pour vous? Parce que moi j'ai l'impression. Bah, c'est comme un hélicoptère, mais c'est trop marrant en fait. C'est marrant, mais c'est horrible. Oula, arrête de te regarder. Faut le détruire! Faut le défoncer! Sur le pont, il a rien compris. Oh, mais cette voiture! C'est dur! Les gars, allez, on y va, on se casse. Les gars, en dessous. Ah oui, en effet. Oh, purée, et c'est encore des Russes. En même temps, y'a que pour faire chier, quoi. Oh, le reste. Oh là! Y'a des Russes qui nous regardent, désolé. Sage des Rovia. Bon bah allons-y les gars. Un peu de plus s'il vous plaît, on est des professionnels. La brigade. Hey gars, ils sont conscients de ces hélicos, je te jure. Vous venez les gars? Ouais, on arrive. Oh mais c'est tout. Regardez les gars, vous êtes sur moi. Regardez au-dessus, je suis tout au-dessus, salut. Non mais ça, je m'y attendais tellement pas. Moi je m'y attendais, mais pas un truc pareil quand même. Franchement, c'est épique. Franchement, ils ont fumé. Question, ils ont fumé quoi quand ils avaient préparé ce DLC? Toute la coke qu'ils ont pu acheter avec tout l'argent des pigeons qui achètent des cartes shark. Tais-toi, on en a deux avec tout, je te rappelle. J'en ai encore acheté. Mais on a peut-être le mode vol, mais on fait comment pour le désactiver en fait? Tu désactives l'évitation, j'ai envie de te dire.
Au-dessus de l'eau, mauvaise idée. Oui, oui, bah c'est ça. Bah moi là, je suis déjà en train d'amorcer mon atterrissage. Ah, mais. Ah, ah non, mais tu sais quoi, moi j'atterris pas du tout en fait, je livre comme ça. Ah, voilà, moi je reste en mode vol, pourquoi se faire chier. Oh putain, par contre, tu restes super stable quand t'appuies sur. Quand tu freines, tu restes vachement stable, c'est bizarre. Mais les gars, c'est qui le scientifique fou qui a inventé cette voiture du Shaitan? Professeur Fidget. Ah non, pas encore. Fidget la menace des hand spinners. Bon, ben, par contre, truc. D'accord, question. Comment je fais pour l'éviter alors que j'ai pas les ailes? D'accord. Pas bien. Oh là, doucement les explosions. Putain, c'était épique, hein. Ouais, j'avoue, putain. Oh purée, oh là là, mais c'est là, quelle finesse. Et j'ai atterri. Et maintenant, trouver le parking. Épreuve très difficile. Oh, je me suis garé un peu mal, mais je suis bien. Viens voir un peu comment je suis garé. Moi, j'ai un mauvais passif avec les parkings, les gars. Attends, c'est où qu'il faut se garer? C'est en haut, faut aller sur le toit. Ah sur le toit? Ah, oh mais putain. Allez-y en lévitation. Non mais moi j'ai pris le chemin classique parce que moi je suis quelqu'un comme ça, tu vois. Salut, moi je suis quelqu'un qui s'est jamais. Vous êtes où? Salut, bonsoir, comment allez-vous? Merde. Bonjour. Oula. Mec, je me suis arrêté sec, mon gars, j'ai pas compris. Regarde comment je me suis garé, moi. Beau gosse. Mademoiselle, mes putes. Mademoiselle, mes putes, bonsoir. Ah bah voilà, il s'est arrêté net. Oh. D'accord, moi je me plains de m'être garé, regarde comment lui il s'est garé. Oui, bah les connards qui se garent en double fil. C'est ça, c'est en double fil, oui. Non mais, regardez, la voiture prend un seul slot de parking, regardez. Non mais en même temps, si on a bien. L'autre il te suit, l'autre il fait pareil, regarde-le. En bas les couilles. M'en bats les couilles. Bon, on a fini la mission ou Ah oui, je crois, là, c'est fini. Ok, c'est bon. Et la mission finale, vous devez tuer celui qui a organisé le bordel. Ouais, Platine. Je sais pas pourquoi, mais Platine quand même. 32 000 $. Combien? Moi j'ai 32 500. Ah, ouais, moi aussi, mais j'ai mis 32 000 parce que j'ai arrondi au 10e. Vous êtes honnête, monsieur. t'as donné 500 $ à ta femme de ménage. Non, à des œuvres de charité qui ont pour but d'exterminer les races inférieures, c'est-à-dire les A. Bip. Non, les A, bip. Les A, bip. C'est pas le bâtard. We don't negotiate with. Non, je ferai pas ça. We don't deal with that. C'est l'oisette. Eh bah, franchement, cette petite. C'est la deuxième mission de préparation si on compte pas celle qu'on a fait hier. Bah oui, parce que techniquement, si on a une deuxième, ça veut dire qu'il y en a une première, c'est logique, monsieur. Non, oui, d'accord. Par contre, on s'est encore retrouvé tout seul, j'ai l'impression. On a pas d'amis, Au pire, invite-nous directement dans la mission. Et voilà, si vous voulez leur devenir nos amis, n'hésitez pas. Bon, je veux pas être votre ami, vous êtes moi, je vais vous dire. J'ai fini sur Rockstar. We'll be right back.